Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo film série télé exceptionnellement. Parce que vous allez me dire pourquoi, parce qu'en principe c'est une par semaine, parce que j'ai eu un réel coup de cœur pour une saga tout univers confondu depuis 2 jours avec l'existence du premier film et ensuite hier avec l'existence du deuxième film, c'est Le Labyrinthe. Clairement, tout univers confondu. Premier c'est Harry Potter, vraiment mes coups de cœur. Ensuite c'est en termes de deuxième saga Star Wars, ensuite en termes de troisième saga Le Labyrinthe et en termes de quatrième saga et dernière, parce que c'est un top 4, c'est la saga Twilight. Alors là je vais mettre une playlist musique. Donc une musique par rapport au premier film, au premier opus, Le Labyrinthe classique, parce qu'il n'y a pas de titre derrière. Autre. Ensuite, une musique avec Le Labyrinthe 2, La Terre Brûlée. Et pour terminer, une musique avec Le Labyrinthe 3, film que je n'ai pas encore entre mes mains. C'est Le Remède Mortel. Je vais me l'acheter demain à Lille. Voilà, à la Fnac. Et je vais m'acheter d'autres achats, HP aussi un peu. Et peut-être d'autres choses. Et à la fin de ces playlists, je vous ferai une critique. Bref, sur Le Labyrinthe 1, Le Labyrinthe 2, et il y aura peut-être d'autres choses, donc si t'es intéressé, bah continue à regarder. Alors, première musique, en l'occurrence, une musique du premier opus. C'est parti, moi je vous retrouve dans quelques instants. Voilà, musique terminée, donc je passe. Alors, à la suite avec la deuxième musique, donc une musique du Labyrinthe 2, La Terre Brûlée. Et moi, je vous retrouve comme la première musique juste après. Voilà.
musique terminée. Donc là, j'enchaîne avec une autre musique. Elle fait référence au troisième film, au dénouement final de cette saga, c'est Le Remède Mortel. Je trouve que la musique est assez triste, mais elle est dynamique. Et je pense qu'elle va vous plaire. Et moi, je vous retrouve juste après. Voilà, donc musique terminée. Donc là déjà, je vais vous parler du premier film. Alors je lui mets une note de 8 sur 10. Alors déjà, les effets spéciaux sont très bien faits, les idées sont très bonnes, les dangers auxquels les protagonistes, les héros sont confrontés sont très bien réalisés. Et puis on s'inquiète pour leur vie, mais moins que dans le 2 parce que c'est moins sombre, beaucoup moins. Et le seul bémol, c'est que l'action est un peu longue à se mettre en route, mais après... Ça se met globalement bien en route, du début à la fin. Voilà. Donc par rapport au 2, je mets une note de 9 sur 10 pour les mêmes raisons que le 1, sauf que l'action est beaucoup plus développée et mieux faite que le 1. Donc bah voilà, moi je vais vous laisser. Faites le nécessaire si vous êtes intéressé. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!